Bonjour à tous, moi c'est Julien, j'ai 34 ans, je vis à Londres depuis bientôt 10 ans. Et voilà, moi je suis de formation ingénieur généraliste et voilà, j'ai eu un peu de formation finance pendant mes études et de trading, mais vraiment très 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 théorique. Et voilà, c'est cette petite vidéo pour vous donner un retour d'expérience sur l'école LSL. Donc j'ai participé à LSL 6.0 où j'ai découvert Cédric, une belle année de Covid qu'on a tous connue, et voilà, son approche Pareto m'a séduite. Donc j'ai participé à LSL 6.0 et pour améliorer ma stratégie et surtout améliorer mes émotions et ma psychologie sur le marché. Voilà, on peut pas dire que j'étais débutant ni confirmé. J'ai toujours eu un peu boursicoté et j'ai un peu des bases suite à ma formation. Mais voilà, comme Cédric adore le dire, j'étais un excité de la gâchette. Je tirais sur tout ce qui bougeait et toujours avoir peur de perdre une opportunité. C'était mon gros défaut et également mon gros défaut était surtout de couper mes trades gagnants trop tôt. Donc, ne pas avoir une bonne stratégie, pas avoir un bon plan de trade sur les gains. Quant à mes pertes ou les stop loss ou le money management, ça je l'avais plutôt bien ancré dans ma stratégie. Mais voilà, donc ce qui fait qu'en fin d'année, j'étais soit un petit peu positif, soit un petit peu perdant, soit flat, quoi. Donc, j'avais jamais vraiment de grand décalage à la moyenne. Ce qui vous apprend ici dans LSL, dans l'école LSL, d'avoir ce bon plan de trade, ce qu'il faut pour couper au bon moment vos pertes, vos gains, avoir une bonne sérénité sur le suivi de vos trades, etc. Donc ça m'a beaucoup changé et puis ça m'a également changé, ça a eu un double impact sur mon comportement personnel de tous les jours, au plus grand bonheur de ma femme d'ailleurs, parce que je suis une nature un peu entre guillemets hyperactive, et je pense que cela en fait se reflétait sur mon trading avant l'école, à toujours vouloir saisir des opportunités qui ne s'avérait ne pas en être d'ailleurs. Donc rester cash, c'est aussi un savoir-faire. Donc voilà, ça va. L'école LSL vous apporte beaucoup de rigueur dans la sélection de vos trades, une sérénité et voilà. Donc c'est que du positif. Et vous pouvez être débutant comme confirmé, l'école dure presque un an et c'est progressif. Donc, même si vous n'y connaissez rien en bourse, c'est parfait. Donc voilà. Non, ma vie n'a pas changé. Je ne suis pas multimillionnaire ou je ne suis pas libre financièrement, mais je sais que je peux le devenir en poursuivant sur cette lancée, sur cette méthodologie. Et ça, c'est vraiment la valeur ajoutée à LSL. LSL vous donne tous les outils, surtout les bonnes armes pour vous battre dans l'arène du trading. Donc c'est à vous de prendre le taureau par les cornes. Ça va pas se faire tout seul. Il y a du taf pour les débutants si vous n'y connaissez rien en bourse. Donc toutes les semaines vous avez du taf. Donc ça c'est super. Vous avez des exercices. Donc Cédric et la team, voilà, c'est pas des vendeurs de rêve. Ils ont la clé de la réussite, quel que soit votre objectif final dans le trading, hein, que ça soit long terme ou court terme. Ils vous mettent le pied à l'étrier et c'est à vous de faire l'effort et de mettre le deuxième. Voilà, c'est tout. Alors, je souhaitais justement dire un grand merci à Cédric et toute la team, Chris pour ses daily suivis de marché et Farid notamment pour ses suivis hebdo. Ils vous mettent un super mindset positif tout au long de cette année. Et voilà, ce que j'aimais en particulier dans l'école, c'est le forum. Il y a un forum où tous les élèves interagissent entre eux. Et également la team. Vous pouvez poser des questions, c'est vraiment bon enfant, il y a une entraide, il y a des tutos qui tombent toujours à pic de Farid et la team, même Cédric, etc. Les vidéos hebdo de Farid qui vous donnent la pêche le week-end, là, même après une grosse soirée arrosée, ça vous permet de rallumer votre cerveau le week-end pour suivre ces marchés. Voilà, et ce que j'ai vraiment la valeur ajoutée, c'est la chasse en meute.
c'est que dans le forum, vous mettez dans une bulle, dès que vous connectez au forum, vous êtes dans votre bulle avec tous les élèves qui interagissent dans ce forum et chacun donne son avis sur différents patterns de trades qu'ils peuvent prendre, qui peuvent être une bonne opportunité ou non. Et évidemment, l'œil avisé de Chris qui est toujours là pour aiguiller les élèves quand il faut, si c'est effectivement potentiellement une bonne opportunité à prendre ou non en fonction du cycle du marché, etc. Donc voilà, la structure de l'école, elle est parfaite, elle est faite pour que vous ne vous sentiez jamais seul, et ça c'est génial, même quand vous êtes à distance. Voilà, on est des élèves partout dans le monde, et c'est super, on s'est rencontrés pour le coup avec des élèves à Londres, c'était incroyable. Donc cette école est fantastique, le forum il est super bien géré, vous avez des réponses sous 24 heures à toutes vos questions. Donc si j'ai un conseil à donner à un ami qui hésite à se lancer dans l'école parce que c'est peut-être un peu cher, alors certes ça a un prix, mais le prix est totalement justifié, et voilà, moi je regrette de ne pas avoir je regrette que le Covid ne soit pas tombé avant LSL 1, parce que j'aurais suivi toutes les autres années. Voilà, bonne journée à tous, et puis bon trade, à bientôt.